الزول يما هنا كريم نسام برين لاقيه هذا كي سريد سكو مكان يشوحن طاس طاس اقد نفكر بستقسيا ان يعنن ثقفي ليث انا انكي تصوض الساكين دوك سكوس 2016 الزول فلاي الزول في الاوان الزول في الاوان خبثي يما قبايل C'est avec une grande tristesse que je parle aujourd'hui de l'aliénation de la jeunesse et de la société kabyle. Je vous souhaite tout de bon à partir d'un pays qui respecte les droits de l'homme et des libertés individuelles. J'espère que sans qu'il y ait du sang qui coule, cette liberté nous va être apportée par Dieu. Je suis très content quand même du courage et de la persistance du peuple kabyle à essayer de garder son patrimoine national, acquis à travers des bains de sang tout au long de siècles durant. Je vous souhaite tout de bon et puis plein de bonheur. Achouf n'est de thimanith ouzka pour la Kabylie. Je crois qu'une séparation, c'est pas la meilleure solution, mais une cohabitation avec une municipalité, comme a fait Monaco, ça serait la meilleure solution. Les premiers avantages d'un point de vue géopolitique, c'est que les Kabyles ont très très bonnes relations avec l'Occident. D'un autre point de vue, tous les cerveaux, on va pas se mentir, ils viennent de Kabylie et puis ils aspirent tous à revenir sur leur terre natale et faire profiter le pays. Troisièmement, ne négligeons pas que la communauté kabyle, c'est des plus grands. C'est ceux qui paient le plus d'impôts en Algérie. Et on a plein de projets, mais on est contre la bureaucratie et tout le tapage médiatique organisé par le pouvoir actuel. J'aimerais remercier M. Farhat d'avoir des initiatives qui vont dans le sens de l'évolution kabyle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, avec ses idées économiques, parce que si on veut bâtir un pays ou bien cohabiter en ayant une municipalité comme Monaco, comme je l'avais dit dans un récent interview, il faut avoir des idées économiques. Je crois que la Kabylie dispose d'un grand potentiel économique et diplomatique, car on a des relations très très fortes avec les communautés françaises, anglaises, etc. Et on a une très très belle image à faire prévaloir à l'étranger. Je crois qu'on peut devenir un pôle d'exception avec la géopolitique actuelle sur le domaine du tourisme, en faisant de nos frontières vraiment des frontières inabordables aux extrémistes de tout genre, vivre dans la laïcité, vivre de l'agriculture bio, vivre du secret bancaire que j'aimerais installer là-bas. De l'huile de Kabylie, je pense que c'est l'huile de Kabylie, c'est le meilleur au monde, l'huile d'olive. L'huile de Kabylie, c'est le premier produit ambassadeur de Kabylie. Elle était testée à Genève avec Mohamed Ekharban, il paraît qu'elle était meilleure au monde. Ben voilà, moi je le confirme, c'est l'huile de Kabylie qu'on mange avec du couscous en réfléchissant aux millions de martyrs qui sont morts pour cette pauvre Algérie. Mais je crois que vraiment que la Kabylie elle a vraiment un avenir magnifique si elle devient indépendante d'un point de vue politique et diplomatique, car l'Algérie, je ne cache pas qu'elle est médiocre au niveau diplomatique, qu'on peut faire beaucoup mieux. Le tourisme fera marcher tout l'artisanat dont on est très très fort et tout le monde reconnaît nos compétences au niveau des joailleries, etc. On peut vivre aussi des compétences des jeunes kabyles universitaires qui sont malheureusement au chômage aujourd'hui. En faisant des call centers avec des bons accords, je reviens toujours à la diplomatie, tout dépend de la diplomatie.
faut investir dans la matière grise, la matière, le secteur quaternaire, la haute valeur ajoutée en matière grise. Et puis, Inch'Allah, on a un adifka pour le henna ou le sahab. Merci. Alors, je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Et bien, vous voyez sur Facebook les commentaires, vous voyez, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Merci. 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 Mer